Bonjour, je m'appelle Marine Farrugia et j'aimerais faire du journalisme d'investigation. Alors, je voulais voyager, sauf que quand j'ai obtenu ma licence de sociologie, il y a eu le Covid. Donc, j'ai pas pu voyager, les frontières étaient fermées, etc. Donc, j'ai décidé d'utiliser mon temps en faisant du woofing. Donc, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les agriculteurs en agriculture biologique et des bénévoles, donc des personnes qui voudraient s'investir, donner son temps. On paye un abonnement et ça nous permet d'avoir accès aux gens qui sont sur le site, qui se sont inscrits. Et donc, on peut avoir accès en France à certaines personnes qui font de l'agriculture biologique, de la construction, en matériaux réutilisables, etc. Donc, avec des techniques alternatives de construction ou en tout cas avec un principe de permaculture. Donc j'ai décidé de partir en France, de travailler en maraîchage et en viticulture. Et il y avait aussi, pendant toute cette période où on était plus ou moins tous confinés, il y avait aussi cette question de est-ce qu'on ne repenserait pas notre alimentation par des circuits courts. Donc il y a eu cette réflexion autour de l'alimentation. Parce que l'alimentation, ben, pour survivre, enfin pour que l'humanité survive, il faut qu'elle se nourrisse. Et c'était de repenser, de se questionner sur mais comment mieux se nourrir, comment permettre à une population d'être autosuffisant en alimentation, et également de produire tout en accord avec l'environnement, sans le détruire ou sans utiliser de produits pétrochimiques. Donc j'ai décidé de faire du woofing, d'aller voir ce qui se faisait dans le sud de la France, en viticulture et en maraîchage. Alors le principe du woofing, c'est donner un peu de temps, un peu de son temps, et en contrepartie, on est nourri, logé et blanchi, et on peut rester le temps qu'on veut. C'est-à-dire que c'est aussi un contrat qui se passe avec l'hôte, et c'est décidé entre les deux. Il y a vraiment une conversation en amont, avant d'aller sur site, entre les deux personnes, ce qui permet de mettre les choses au clair, combien de temps on veut rester, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'ils recherchent, comment ça fonctionne. J'ai pris des transports en commun et j'avais des autorisations, des attestations comme quoi je pouvais aider des agriculteurs ou des viticulteurs à cette période-là. C'était un moment aussi où les règles étaient peut-être un peu moins dures. Donc c'était tout à fait possible de pouvoir, aider ces gens et d'apprendre aussi, parce que c'était le but aussi, c'était d'apprendre, de se lever tôt le matin, la charge de travail, ce que c'était réellement d'être agriculteur ou agricultrice à notre époque aussi, et puis pour des gens qui utilisaient des méthodes alternatives comme la permaculture et sans produits pétrochimiques. C'est de créer un système qui peut s'auto-alimenter. Et c'est de recréer une diversité face à des méthodes industrielles où c'est plus de la monoculture. C'est-à-dire qu'on va faire un champ de céréales, on va faire que des céréales. La permaculture, elle a différentes manières d'être appliquée. On peut faire des cultures associées. Par exemple, si je plante mes tomates, pour éviter qu'il y ait des insectes autour de mes tomates, je vais planter à côté du basilic ou je vais pouvoir planter des œillets d'Inde, donc les fleurs. En fait, ça va être que ça. Ça va être, pour éviter d'utiliser des produits pétrochimiques, on va utiliser soit des plantes, soit de la matière première. Pour nourrir les sols, on va pouvoir utiliser des orties, parce que c'est hyper important, enfin, ça amène tous les nutriments pour la terre. On peut apporter du calcium en utilisant des œufs, par exemple. Donc ça va être aussi de reconstituer une terre qui va être prolifique et qui est nourrissante pour les plantes, pour les légumes, pour les fruits. Alors, la viticulture. J'aime le vin. Et j'ai travaillé en restauration. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aussi au vin et tout simplement à ce que je pouvais proposer aux clients. Et donc j'ai voulu savoir comment on fabriquait le vin. En fait, toute ma démarche, en général, dans ce que j'ai pu faire ou initier, c'était de comment on fabriquait les choses. Comment on fabrique le vin? On ne fabrique pas les légumes, mais quel est le processus? Donc j'ai découvert le monde de la viticulture, j'ai pu parler avec des personnes qui travaillaient la terre, avec des personnes qui faisaient attention à leurs vignes. J'ai appris tout simplement à savoir comment ils faisaient du vin rouge, comment ils faisaient du vin blanc, du rosé. Parce que c'est pas juste récolter la vigne, c'est aussi associer les différents cépages, associer
les différents cuviers de fermentation, etc. Donc bref, ces techniques, et du coup, c'est ce qui me plaisait énormément aussi, c'est de comprendre ce que c'est la fermentation, la première fermentation, la deuxième fermentation, en vin, etc. Et le goûter aussi, parce que ça fait partie du processus de goûter le vin, d'apprendre à apprécier le vin. Et ce que j'avais énormément apprécié aussi, c'est que j'étais avec des personnes qui donc travaillaient dans l'œnologie. Et pour eux, ils associaient le vin à quelque chose d'émotionnel à chaque fois. C'était pas technique pour eux, parce qu'ils avaient déjà appris la technique. Je me souviens juste de... Il y avait un vin qui ressemblait à l'odeur d'une bouée en plastique. Donc ça pouvait aller jusqu'à là. Ça veut dire que les gens, ça leur évoquait des souvenirs. Et souvent, c'était des souvenirs d'enfance ou des odeurs, ou des moments aussi. Donc il y avait aussi une approche du vin sensoriel que j'ai appréciée. Je pense que ce qui est la trame un peu de mon parcours, c'est les gens. Je pense que c'est une question de juste saisir et de comprendre ce qui se passe autour de moi. Donc de comprendre, mais aussi d'expliquer les situations. Et puis c'est aussi d'être en contact avec les autres, avec l'autre, avec celui qui n'est pas nous, et de le rencontrer ou de saisir qu'on est une subjectivité, qu'on est une perception et qu'il y en a d'autres. Et que notre perception, elle n'est pas universelle. C'est de rencontrer l'autre, je pense aussi, surtout. Et de connaître l'histoire d'autres personnes qui ont des vécus très différents, des expériences très différentes.